틀렸든.
flop. The motherfuckers try to copy, but they can't mock. As soon as I get released, I'ma clock some cash. Did some time locked down, but I'm back on the streets. They'll be 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 back on the streets. 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 It's all about you, but you know why not. Every other city we go, every other video, no matter where I go, I see the same hoe. Every other city we go, every other video, no matter where I go, I see the same hoe. By age 13, I was buck wild, good at my knuckle game, 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 good at my knuckle game. Good at my knuckle game, good at my knuckle game, good at my knuckle game. It's a dirty stunt. Alors, j'ai fait 20 minutes. Look here, Miss Thang, hate to salt your game, but you's a money younger woman and you need a change. Look here, Miss Thang, hate to salt your game, but you's a money younger woman and you need a change. And look here, Miss Thang, hate to salt your game, but you's a money younger woman and you need a change. And that's why we called you bitch.
Dimanche soir, le week-end, c'est pas terminé. Et ça fait plaisir. 8h01, c'est le reboot. Allez. Fini la musique, j'adore. Ouais, mon petit Oscar. Si, c'est la famille. Moi j'aime bien, on est bien. Bienvenue vous tous en tout cas les potos, ça fait plaisir. Bon, on va se passer à quelque chose d'un peu plus cool, tu vois. Tranquille. De toute façon, Lioscal, je le connais, il attend quelques épisodes là, surtout que ceux-là. On va faire bien. Sub, pas sub, tout le monde a accès de toute façon à mes rediffs, je pense. Ouais, c'est, je les ai pas mis en issue. Et les épisodes de DD, étant donné que maintenant j'ai repris le boulot, donc vous savez, il y a un peu moins de stream, même à
4h30 du matin, je crois. Ce soir, non. Demain, je commence à 5h. Donc, on va essayer de faire du bon RP. On va pas les farmer ce soir. On va aller au contact. Je quitte, on se verra en jeu peut-être. Ouais, enfin moi c'est les flics, moi je les vois. Eh ben super. Où c'est qu'on est-il là que je m'en rappelle? Eh ben super! Ouais, ouais, mon petit vieux, c'est comme ça. Dis donc, t'as l'air déprimé, ça va pas, mon gamin? Hein? Hein, mon petit loulou, dis donc, tu m'entends? C'est papy. Ah putain, je crois que je me suis mis mute. Putain. Ah ben voilà, ça y est, j'ai branché mes écouteurs. Là, ça va peut-être aller un peu mieux, j'entendais rien du tout. Voilà. Ouais, pas de soucis. Alors, poids lourd, ben voilà, allez, ça c'est parti mon kiki, 100 000, allez. J'ai une question, pourquoi j'arrive pas à rentrer sur le chat, je me fais expulser direct. Direct? Peut-être parce que ton nom de profil correspond pas à quelque chose, ou je suis expulsé direct. Ouais, faut peut-être voir avec toi. Yo Nexus. Thank you.
Eh ben voilà, ça c'est une bonne chose de fait. Hein. Et c'est lui. Comment fait du bruit votre tracteur, monsieur? Ah ouais, ben ça c'est normal, hein. C'est ça parce que c'est, vie, c'est des, ça c'est du produit du terroir, c'est mon petit gamin. Avec ça, ça c'est un John Deere, hein. Pas un John Deere, parce qu'avec John Deere tu t'en tires, avec John Deere c'est tu quoi, t'en c'est une sous-marque du John Deere du coup? Non, John Deere, tu veux dire. Ah ça c'est pas un John Deere, c'est un John Deere. Bonjour. Ouais. Par le tracteur. Tu peux me donner un petit truc à graille, Ludwig, si jamais. Oh, attends les deux secondes, il y a quelqu'un qui est en train de braquer quelqu'un d'autre là devant nous. Oula, 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 ouais. Qui c'est qui se fait braquer? Oh ben mon dieu. Non, moi je me cache. On n'est pas des putains d'anglais, quoi. Ah la vache, il est en train de se faire dérouiller. Mais va appeler la police. Je vais te mettre un coup de poing, quand même. Mais 1, 2, 3 coups de poing, ça va aller. Ah ben, dis donc. Tout ça pour des olives. Bon, concessionnaire, camion, combien ça vaut? Ah, 250 000, le bazar. Bon, bah, allez, hein, faut le travailler. On va arranger le bazar. Et combien ça vaut une voiture? Des P10 Balek. Je vais essayer d'aller faire un tour sur la Trinité, là. Ça avait l'air de bouger là-bas. Galège à véhicule. Alors attends. Ah, ils vont que des camions, lui. Fourgon caisse, capacité 150, garage, camion. Capacité 150, c'est la même chose, quoi. Vas-y, je fais le chauffeur de bus. Bonjour, dis donc le gueule. Bah dis donc, t'as d'autres façons de m'adresser la parole, toi on se connaît pas, tiens, le gueule, le bus qui te met dans la gueule. Alors tu laisses tranquille, d'accord? Hein, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Mais je t'en mets, toi, tu dis donc, toi, à force, tu veux de me chercher, tu vas me trouver. Hein. Hey, tiens, allez, dans ta gueule, tiens, le paysan, comment il t'a fait? Allez, bourgeois de merde. Prends ça dans ta gueule. Qu'est-ce que c'est que ce porc, hein? J'ai pas perdu un combat depuis que je suis arrivé, je suis content. Alors, on va faire le chauffeur de bus. Alors, c'est où le bled? Là, on est là. Alors, il faut prendre la route qui est là. Là. Alors, merci Vorté pour le follow, ça fait plaisir. Bienvenue à toi, poteau. Je suis un peu paumé là. Ah mais non, je suis pas dans le bon sens. Donc je vais m'acheter un sandwich. Hop là.
Eh ben voilà, super! Eh ben j'ai trouvé un super boulot, dis donc. Salut, comment tu vas, mon petit? Ça fait plaisir. Alors, on va acheter du bacon. On va acheter des bouteilles d'eau. Ah bah oui, comme ça, on les vendra. Voilà, impeccable. Eh ben super. Eh ben salut mon grand, comment ça va? Ça va, Dédé. Eh ben super, je regarde, j'ai trouvé un nouveau travail. Ah oui, j'ai vu ça, tu as sorti ça à l'instant, oui. Ouais, super, je vais aller faire le chauffeur de bus un peu sur l'île, là, tranquille, ça va faire plaisir, comme ça je vais rencontrer un peu des gens à droite à gauche. Ouais, c'est combien le ticket de bus? Ouais, je vais pas le faire cher, je vais le faire à 10 dollars. Alors, remarque, attends, non, putain, oui, c'est vrai que ici c'est le flanc. Alors, attends, comparé à une bouteille d'eau, non, je vais le faire le même prix qu'une bouteille d'eau. 50. Combien elle vaut la. Francs. Eh ben voilà, 50 francs. Et en plus de ça, là, j'ai acheté de quoi faire des sandwichs, des boissons, et on va faire le Madden Tour. Ah oui. Il me faut juste que je trouve un DJ. Ah oui, ouais. Eh ben, tu sais que tu veux venir avec moi, tu veux venir un peu te promener, faire le Madden Tour. Bah ouais, je vais faire ça, ouais, quand je vais ranger mes camionnettes, ça. Ah ben, super. Ouais, t'inquiète pas, je gagne, il va m'en voir. LDD Tower. Ah oh bah c'est super. Ah oh bah rigolez. Ah bah on va bien rigoler. Merde, tu es coincé. Bah attends, je vais appeler ma femme, elle sait pas le tout le boulot que j'ai. Bah même ma maîtresse, je veux dire. Mais ma d'accord, femme. Mais tu ramènes le pinard, hein. Attends, je vais appeler vite fait parce que. J'espère. Je vais appeler, j'ai une petite chérie en ce moment, mais je voudrais pas qu'elle s'inquiète de trop. Ouais, y'a pas de problème, j'espère que t'as du pinard. Allô, la Micheline? Oui, hey, c'est Dédé. Oui, dis c'était pour dire. Ça y est, j'ai trouvé un job. Oui, je vais faire le Dédé Tower. Oui? Bah, tu m'attends pas pour bouffer, hein. Allez, d'accord. Allez, ça marche. Bah, je t'embrasse. Allez, des bisous. Oui, c'est ça. Allez, à plus tard. Bon. Allez. Merci, Zéphel, pour le follow encore. Alors, il m'a dit qu'il fallait que je prenne du pinard. Qu'ils en vendent là-dedans, du pinard? Ou faut que j'aille au bar? J'espère qu'ils t'envoient du pinard ici. Attends que je regarde. Y'a pas de pinard! Mais y'a pas de pinard! Y'a que du raisin! Il faut aller au bar! Et ben tu sais quoi? Ce sera notre premier itinéraire. On ira au bar clandestin. Oh non, mais pour toi, je fais gratuit, t'es un copain. Oui, mais faut, si je fais gratuit, tout le monde, je vais l'avoir dans le cul. C'est bon, t'as pris les billets? Ah bah ça, c'est parfait, merci, t'es un brave homme. Allez, on se casse. J'avais des bifetons, toi, j'ai osé. J'espère que t'as pris du bon sandwich au jambon de... Bah t'es fou, j'ai pris des sandwichs au jamon ibérico, pâte negra. Hein, des bons sandwichs comme ça, hein, c'est des petits tapas. Et puis j'ai pris de la bouteille de la malinoise, là, de l'eau gazeuse. Là. Et oui. Je vais faire une formule sandwich à 500 francs dans le Madden Tower. Dis donc, c'est normal que je te voie au Smurfé, t'as pas l'air bien là. Ouais, je te vois au Smurfé aussi, c'est vrai. T'as l'air de. Tu vas pas vomir? Je te vois se parfait depuis tout à l'heure. Ah, ça y est, je viens de recevoir le chèque. Oh putain. Ah, il a l'air cool ton perso, elle est pas mal, il est pas mal, on a testé ça il y a pas longtemps sur ALF et du coup là je le teste sur Nolo, ça a l'air de bien prendre, bonne ambiance. Bien, c'est du civil là, hein. c'est pépère, hein. C'est. Voilà. Pour le moment c'est comme ça.
Merci Pepperoni CSGO, bienvenue à toi mon poteau, bienvenue. Hop. Salut, le retour de l'Ocha. Ouais, le retour de l'Ocha, exact. Bienvenue, Fricanta. Oh, bah dis, quel bordel. Ça souffle, le vent, c'est un vrai bordel. Hein. Bon, alors... Bon, ça va, déjà mon bus il a pas bougé. Bon ben je vais attendre le copain. Je devrais peut-être. Ah ben te voilà, dis donc, où c'est que t'étais pas petite foulée? Attends, j'ai un problème, j'ai pas branché parce que je suis un peu saoul, j'ai pas branché les écouteurs comme un con. Mon brave. Ah ben voilà, ça y est, je t'entends. Ah ben si je mets oui. Pas le bazar sur On, j'entends que dalle. Alors où c'est que t'étais parti de fourrer? Ouais, j'étais parti retirer les sous pour te donner les sous. Ah ben, tu les avais eu les sous, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ouais. Tu m'as payé double, t'as pris deux tickets. J'ai pris deux tickets pour moi ah et bah... le copain qui arrive. Ah ben bah, super, super. Bah, Il faudrait qu'on passe à Channel 7, puis qu'on fasse un message. On dit, faites attention, le DD Tour Malden va bientôt passer chez vous. Restez attentifs. Regarde, ça tombe bien, regarde, derrière toi, il y a un gros truc pour envoyer des trucs, des messages. Où ça, derrière moi, là? Ah, tu vois la grande antenne, là, c'est l'antenne... Il y a trois antennes relais. Ah bah, tu déconnes. Oh, super, bah attends, j'y vais... Ah merde, attends, j'ai un gros cul, bordel. Ah bah génial, dis donc, bah regarde tout. Regarde, comme la vie, elle est bien faite quand même, dis donc. Quand même, sans déconner. Alors, est-ce que je... C'est le meilleur pays, hein. Bon, allez. Alors. Titre. Oh, j'arrive. Vas-y, je t'en prie, j'écris le bazar.
Envoi anonyme civil, envoi à tous. Envoi anonyme à tous, appli tous, envoi civil 30 000. Envoi message, envoi anonyme. C'est parti, c'est super, j'ai fait plein de fautes, mais on en a rien à foutre, ça que les nous deux de là. Ah ouais. Bon allez, c'est parti, on va aller au bal, on va essayer de trouver de l'alcool. Tu sais où il y a un rad ici? Un quoi? Un bar, un troquet quoi. Ouais, le bar, je connais pas, ouais. Bon, je vais mettre le GPS, je verrai bien ce qu'elle me dit là. C'est ma tante qui me faisait à manger, c'est la femme de mes enfants. Et tu me faisais mon petit truc. Allez! En avant la musique! Ouais, le bordel. Ah, j'ai pas pris le modèle en promo, hein. Ah ouais. Ah, je me suis pas foutu de la gueule des gens, hein. Là, c'est la grande classe. Attends, je me goûte pas de sens. Allez au port, c'est de côté. Ouais, c'est par là, l'autre côté. Tu connais un peu la route, toi? Bah ouais. Pour la nationale là. Ah, tu veux conduire un peu? Ah, si tu veux, je peux faire le chauffeur, hein. Ah bah vas-y, comme ça, pépère. Parce que c'est moi... Ah bah putain, mais c'est t'as payé. Mais c'est pas grave. T'as payé, puis t'es codé. Ah bah bien, c'est sûr. Bah je paye l'Alpinard. Allez, vas-y. Allez, tu payes l'Alpinard. Allez, c'est parti. Yo, Heisenberg. Allez, en avant. Je vais mettre un petit peu de musique dans mon MP3. Tu vois, un peu. Ah ouais, c'est quoi les MP3? Allez, MP3, tu connais pas encore, tu connais? Mais non, moi j'ai une cassette, toi. Ah, t'as pris encore avec ton cassette? Ah bah, dis, faut sortir dimanche après la messe avec ton âne. Ah bah, dis, nous, avec la famille, nous, on fait tout avec les cassettes, hein. Ah bah, moi, dis, ça y est, mes petits-enfants, ils m'ont fait un MP3 à Noël. Ah ouais. C'est mon fils qui va sur l'internet, hein. Ah bah, dis donc, et comment tu fais pour te faire un peu sucer le poireau? J'ai ma tante. T'as ta tante? Ah oui, c'est sympa ça, oui. Ouais, ma tante, enfin, elle est décédée, mais ma tante a quand même pondu deux enfants. Ah oui, sympa, dit. Ça fait plaisir. Et ici, il y a des putes un peu, tu connais, non? Toi, tu es allé à te connaître, t'es un gars du cru. Oh, mais parfois, tu es au bord de la route, ça, ils sont avec leur mini-jupe, avec un truc, avec un panneau qui demande la vie. Ah ben super, mais ça s'appelle pas un auto-stoppage, ça? Ouais, mais après ils sont concentrés, ils montent dans la voiture. Ah oui? Ah ben oui. Regarde là à gauche, là, c'est la petite fermette de mon père. Ah, c'est la fermette à ton père, ça? Oui, ouais, il y a une belle exploitation. Ouais, faites dans la céréale, vous? Ah non, on est dans la on fait les animaux. Vous êtes dans l'élevage. Ah ouais, sympa. Ah ouais, vous faites l'abattage aussi. Ah oui, sympa. Donc, vous avez un laboratoire d'écalissage alors. Ouais. Ah bah super, c'est pas terrible. Une voiture en plein milieu de la route, attention, ouais, dis. Bah ça c'est encore un ensuqué qui s'est endormi. Ouais. Ah par contre là, s'il y a un gendarmerie qui nous arrête, on dit que j'ai perdu mes papiers. Ah ouais, on dit que moi c'est pas grave, je les ai. Ou alors on dit que j'avais un problème, que j'ai fait un malaise, que t'as pris le volant. Ah super, mais après de toute façon je prendrai le volant tranquille. Parce que moi j'ai le permis de tracteur, mais pas le permis de voiture. Ah ouais, j'allais, je me suis payé le poids lourd tout à l'heure. J'ai été fendre du bois pour la mère Pichon. Et puis elle m'a filé la pièce.
Impeccable, tranquille. Et ben du coup, tranquille, j'ai dit tiens, je vais m'acheter un peu du poids lourd. Et puis il semblait que le bus il était pas trop cher. Et puis j'ai trouvé qu'ici ça manquait un peu d'autobus. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas mal de mecs sur le bord de la route, ils seraient bien contents qu'on sur l'autobus. Il y a beaucoup de jours, genre en quad là, il faut du rodéo là. Ah oui, mais après ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans une grande ville. Tu vois? Il faut aller dans une grande ville, tu vois, les gens tu les emmènes à la banque, tu les emmènes... Et après ils te donnent du pognon, ouais. Merde, j'ai appuyé sur tous les boutons. Eh oui, donc du coup, ben voilà. Et puis après tu trouves des DJ et puis des putes, et puis tu fais le bus de la folie sexuelle. Ouais, t'as raison, Ah, c'est important, hein, ils ont... Ah, il va falloir mettre des machins là pour pas que ça sent un peu trop le la ziboulette. Hein. Ah ben il y a des bâtonnets dansants. J'étais là, j'ai rencontré un hindou là, Apu Ibn Chalef, je sais pas trop quoi là. Ah, il avait l'air gentil, j'ai demandé qu'il me trouve un peu d'encens. Les hindous ils trouvent toujours de l'encens chez eux. Ah oui. Ah, ils ont des bons encens, ouais. Ah, c'est parce qu'ils cuisinent avec des épices. Je pense que pour épicé, ouais. Donc je pense que pour masquer un peu les odeurs, parce que sinon quand ça se retrouve la bouffe après ça te file la gêne. Alors du coup ben ils mettent beaucoup d'encens, tu vois. Oh poitrine. On le vit lui, hein. Ah oui, la société. Le dépannage. Dépannage, dis donc. Express. Ça a été que j'ai failli en prendre en pleine gueule tout à l'heure d'ailleurs. Ah bon. Ah oui, et ça et puis un ambulancier, il roule comme des sauvages. Ouais, tout le monde roule comme des sauvages là. Incroyable, incroyable. Ali, il a l'air un peu tiré en montée, hein, quand même, il tire au cul. Hein. Ouais, c'est un poids lourd, ouais. Ah, il s'y suit. En plus, c'est derrière. Ouais, comme ça, je pourrais faire les festivals, tu vois. T'as vu, à l'arrière, là, j'ai enlevé les sièges, j'ai installé une petite cuisine. Ouais, tu vois, quand... Ah, ah. Tiens, tu peux me servir un petit truc à manger alors. Ah, bien sûr, bien sûr. Tiens, je vais te préparer ça. Alors, je t'ai dit tout à l'heure. J'ai préparé des sandwichs patates éclat. Et puis, j'ai pris des bonnes bouteilles d'eau fraîche gazeuse du village. Avec ça, mon petit loup. Ah oui. Ouais. Bon, la bouteille, je vais te la rendre après. Hein. Parce qu'en fait, moi, je bois pas d'eau, ça roule. Ah oui? Ah mais il faut boire un peu quand même, qu'il fait chaud quand même, ça déshydrate. Ah non, bah ouais, bah mon docteur il m'a dit, vu que pour moi il fait chaud, il faut boire 5 fois plus que d'habitude. Donc moi au lieu de boire une bouteille de pinard, j'en bois 5. Ah bah de toute façon, moi je parle toujours le matin avec mon petit casier puis mes 6 litres. Attends, arrête-toi. Bah alors... Eh ben salut les petits loulous. Hey, mon vieil ami. Salut, ça va? Vous êtes pas emmerdé, on croyait, si non. Vous avez... On peut vous déposer quelque part? Non, c'est bon, ça va, allez, mon ami, là, mon ami, il va me déposer au palais, oui. Super. Eh ben, je vous en prie. Ah ouais, c'est le DD Tower. Faut monter, on cherche des putes et des DJ. L'ancien temps de toi. Non, je vois pas ce que vous voulez dire. Non, vous faites carrière depuis combien de temps, hein? Ah ben, je fais carrière depuis un quart d'heure. Belle voiture, voyez-vous. D'accord. Parce que ce bus, il ressemble étrangement à celui que j'utilisais pour aller à l'école, hein, oui. Hein. Ah ouais, vous croyez que c'était le bus que vous aviez quand vous étiez petit? Ah oui, 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 oui. Il a dû se passer des choses dans ce bus, alors. Ah, monsieur. Ouais. Ah oui. Avec des petites pinettes là. Sur la banquette arrière. Vous avez vu, en plus, je l'ai customisé. Hein. Ce soir, j'ai installé des tables de DJ à l'arrière. Oui, j'ai installé des tables de DJ à l'arrière. Une petite cuisine, parce que ce soir, on va faire ambiance tapas espagnole. Ça va être super. Ah oui. D'accord. Ah bah, c'est le Malden Tour. C'est le Malden Tour. Là. Bonjour, monsieur. Oui, écoutez, après mon rendez-vous, j'essaierai peut-être, oui, de vous trouver alors, hein. Eh ben, moi, c'est Dédé Pichard. Alors, attendez, mon numéro, il est sur le bus, regardez. Regardez, mon numéro, il est sur le bus, là. Voilà. Ah, vous voyez, eh ben, vous m'appelez, mais Dédé, t'es où? Et puis, je vous donne un petit peu l'itinéraire, et puis vous me rejoignez. Il n'y a pas de souci, hein? Je viendrai. Allez, ça marche.
Allez, au plaisir. Ben, cherchez un DJ si vous en connaissez. Hein. Ah, d'accord. Ben, okay. Bonne journée à vous, messieurs. Excusez-moi. Allez, allez, au plaisir. Allez, oui, au voilà. Allez, voilà. Oui, allez. Allez, tu vas trop aller là. Pas très commode, lui, à côté. Hein. Oui, oh, ben, parce qu'il allait avoir des trucs à faire. Ah, oh, je te vois encore en train de faire du moodwalk. Ah, ben, d'accord. Bah ça pue la merde dans ces moments-là. Oups. Ah, je pense que ça serait pas délicat de rouler maintenant. Ouais, je pense que là... Ouais, puis on va pas rouler. On va attendre un peu. Alors, bon... bon chez moi, je sais pas ce que ma femme a de cuisine, mais ça sent super bon. Ah, ça recraque alors. Eh, ça va, t'es toujours là? Ouais, ça va craquer. Ouais, ça va péter là. Je sens là, ouais. T'as vu le ciel là, moi je dis que tu devrais te mettre peut-être allongé à cloupi et pas trop près du bus. Ouais, c'est ce que je fais. Tu devrais peut-être légèrement, tu vois, rouler un petit peu, tu vois, tu roulades un peu. Ah bah lui, il a plus de voiture carrément derrière, je sais pas ce qu'il a fait avec. David Copperfield. Ah oui, ah tu l'as caché. Oh, eh bah fuck des chiens. Ces gars, c'est plus fort que toi. Bon. Non, je vais mettre celle-là. Je vais mettre celle-là. What's happening, people? This is your boy Laron Thomas out of NYC, by way of H-Town. J'ai bien fait de ne pas venir sur le serve à ce que je vois. Ça va en plus. Petit topo, s'il vous plaît. Petit topo, ça va.
Ah bah tu parles d'un bordel. Mon bateau rédempteur. Bon, bah on va attendre un peu le collègue. Oh, il est où mon chauffeur, hein? Moi, il faut que je me rende au palais. Où il volait celui-là? Mais non, moi je n'ai pas vu voler, non. Oui, non. Une voiture après tout, hein, ça vole pas, oui. Oui. Bah alors, qu'est-ce que vous faites dans le secteur? Vous attendez un copain, vous êtes comme moi? Ah non, moi j'attends mon chauffeur, hein, je dois me rendre au palais. Ah, au palais, qu'est-ce que vous faites de beau là-bas, mon ami? Je suis un investisseur, on va dire. Voilà, oui. Ah bah super, vous cherchez pas un homme de main, t'as pas le hasard. Bah, un homme de main, vous êtes... Ah bien sûr. Voilà. Du coup, voilà, là je me rends chez le prince là-bas, là, au palais. Et on va mettre en place, ma boutique, voilà. Oui. Ah bah oui, je comprends, hein, oui, bien sûr. Voilà, voilà. Mais si jamais, du coup, vous me cherchez, je vous conseille, de toute façon, une fois que l'entreprise va être acceptée, il y aura des panneaux publicitaires un petit peu partout. Là, vous voyez le panneau là-bas, là. Ah oui, je vois, grand panneau. Il y aura peut-être mon entreprise, oui. Ah, c'est normal, il faut faire de la pub, hein, bien sûr. Eh ben oui. Hein. À 65 ans, je suis pas encore mort, hein, je vous le dis. Ah ben moi, je comprends bien, vous savez, je suis de 53, alors je comprends bien. Oh, oui. Je comprends bien ce que vous voulez dire, hein. Mon brave paysan, vous me dites que vous êtes dans le vin, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, cher monsieur. Ah, ça m'intéresse pour... avoir du vin de messe, voyez-vous. Hein. Vous cherchez du vin, mais pour le moment, je me suis pas trop mis un peu dans ce genre d'affaires, mais enfin. Ça pourrait venir, vous savez, je m'y connais un peu plus que certains de ce style, quand même. Oui, parce que une cérémonie communique sans vin, c'est pas possible. Ah, sans du Christ. Oui, ouais, bien sûr, oui, bien sûr. Indispensable, faut quelques fûts. Ouais. Ouais, bien sûr. Bah, dès que j'en ai chopé quelques fûts, est-ce que je peux vous permettre de vous passer un petit coup de fil pour vous en livrer une paire? Ah, bien sûr, avec grand plaisir. Ah bah, je vous donne mon numéro. Oui, bien sûr. Vas-y, je vais noter. Parfait. C'est nickel. La gourmandise. Oui. Bien sûr. Eh ben, c'est super. Ah ben, voilà, voilà mon compagnon. Un comment on dit, les personnes qui habitent la Bourgogne? Bah, les Bourguignons. Ah oui, un Bourguignon. C'est un Bourguignon, ça? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez du... Ah, ça, c'est un Malinois, un mal des noix, ça, un vrai de vrai. Hey, l'ami. Et bonjour, oui. Écoute, tu seras un des premiers invités à l'inauguration de ma boutique, alors. Hein? Ah oui, quelle boutique? Oui, la classe maldénoise, tu vas en entendre prochainement parler. Ah bon? Ah, je pourrais ramener toute la famille Dutreux. Oh, ben oui, si tu es un Dutreux, il n'y a pas de souci, mon ami. Ouais, bienvenue. Hein. Ouais, je ramènerai tous mes congénères. Eh ben écoutez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Eh ben c'est super. D'ailleurs, il y a mon frère et mon ami. Ah ben, comment tu vas? Eh bonjour. Bon, eh ben salut mon petit loulou. Tu peux aller à la Pesagne, il y a mon fils qui est là à la Pesagne. T'attends. Pesagne? Ouais, je vais le chercher. Ah ben il a un joli sac à dos, dis donc. Ah, on a dit joli sac à dos, je vous ai offert.
donc... Les genoux, ils nous ont offert des sacs à dos. Eh ben, franchement, c'est super c'est, sympa. C'est des jeunes, ça, ça. Oui, oui, oui. Ah, les couleurs, elles sont flashy, c'est à la mode, maintenant. Mais toi, 69.9. Les jeunes, quoi, oui. Ils aiment bien ça, les jeunes. Oui. Oh, putain. Mais toi, 69.9. Il aurait bien failli, quand même, l'enrochir. Hein. Mais toi, 69.9, c'est un Serge et tu. Un peu zague. Encore. Il va pas se faire faucher. Bonne nuit, ma boubou. Mais dites-moi, la famille Dutreux. Oui. Je suis passé à Vigny aujourd'hui et j'ai vu que vous vous êtes fait chasser de votre village. Venu où? À Vigny, au-dessus de Polissen. Ah non, non, nous, notre village, il est à Corton. Et un peu plus haut. Avant, ce n'est pas que j'avais vu hier dans ce village, alors je dois confondre. Hé, papy. Il a entendu parler de l'Arche, c'est où ça l'Arche, hein? Je connais pas moi cette cité de pseudo-cassos là, hein. Ouais, il va aller faire un tour, il va aller voir les petits cassos, hein, là. Ouais, souvent les petits cassos là, ils sont à la Trinité. Ah, la Trinité, parce que bon, moi je reçois toujours des emails là, mon petit-fils il m'aide à les lire, hein, mais ces mails ils parlent de chichons, je sais pas quoi là, et oh, c'est des malades ceux-là. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, en Trinité, j'ai été une seule fois, j'irai plus jamais remettre mes pieds là-bas. Ah oui? Ah oui. Bon, les gens ils sont assez courtois quoi, mais oui, c'est vrai. Ah là-bas, ils sont avec leur moto, leur quoi, ils sont en train de faire des chichons, ils font les oeufs. Et ils sont possédés. Ouais. Oui, oui, alors lui, forcément, là-bas, forcément, ouais, c'est les oeufs, là-bas, c'est les oeufs. En plus, avec leur musique, là, la dernière fois, ils auraient voulu venir à côté de la fermette, là, avec leur charrette, là, et mettre la musique à fond, la techno, je sais pas quoi, là. Et ben, j'ai dû prendre le tracteur, leur foncer dedans pour qu'ils dégagent, hein, sinon ils avaient pas dégagé. Ouais. Oui, oui, oui. Eh ben, écoutez-moi, vous savez ce que je les ai vus faire, les oeufs. Je les ai vus avec leur quoi. Ils ont roulé sur les pieds de Vigne, ces mongols, là, hein. Ils imaginent pas tout le travail qu'il y a derrière, hein. Mais ouais, c'est un scandale. Vous avez pas vu, là, la presse, franchement, là, alors, il n'y a plus de jeunesse. Ah, oui, si, j'ai jeté un petit coup d'œil, oui, au journal, oui, je suis allé au marché, là-bas, je l'ai acheté, oui. Oui, mais en effet, oui, ben, c'est très juste, hein, ce qu'ils disent. Ils ont raison, le comité des paysans, à faire ça, à dénoncer ça. Bah oui, hein, ils ont totalement raison. Ah, vous avez vu ça, Dédé? Ah non, j'ai pas vu, excuse-moi, je cache la cloute en même temps, vas-y, raconte. Ils coupent les arbres, ils fauchent les vignes, c'est des zouaves. Ah ben moi, ce matin, j'étais en train de faire des olives. Mais c'est l'œuvre du Seigneur. Je t'ai vu deux espèces de bitniques qu'ils ont écrasé deux oliviers avec leur camion. Ouais, la oui, colère m'a pris, la colère m'a pris. Ça, c'est pour toi, là, le prêtre. Tu sais ce que je les ai vus faire avec leurs griffes, là, ces pieds noirs. Je les ai vus... Ils étaient comme ça là sur les murs, ils frappaient l'église comme ça là. Enfer et damnation. Ah oui. Blasphémie. Je serai reconnaître les dans le journal, c'était écrit comme quoi, ils demandaient au ministre là, comme quoi il y avait, ils voulaient qu'il y ait moins d'immigrés. Parce que les immigrés, ils ont mis des photos et tout, ils ont mis comme quoi ils avaient écrasé les vignes, écrasé les oliviers, cassé les biens publics. En gros, nous, on paye des impôts, pourquoi? Pour réparer ce qu'ils font les zouaves. Oh non, 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 ça se passe pas comme ça. Ah non, franchement, les zouaves dehors, y'en a marre. Les zouaves dehors, oui. Franchement, hein. Regarde, là, c'est un zouave. C'est un zouave. Espèce de zouave. Franchement. Con, va. Non, mais, je la viroule comme des timbres. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend le bus, on se tire. Attends, il y a mon fils et... ah ouais, super. Ah bah tranquille, tranquille, de toute façon. C'est Jackie, t'arrives? C'est la pause casse-croûte. Hein. Ah, j'ai mon deuxième chauffeur privé qui m'est arrivé. Hein. Je vais vous laisser. Ouais, pas de problème. Vas-y, là, il y a toute la famille qui va arriver. Il y a Jackie, Serge et Maurice. Ah oui, 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 oui. Ils arrivent avec leur beau tracteur. Ah non, non, ils vont venir avec un petit piquette, là. Après, on va monter dedans, là. Alors là, parce que là, on a organisé le Malden Tower Tour. Le DD Malden Tour. Et comme ça, du coup, on profite, on visite, comme ça, pour les nouveaux arrivants. Visite touristique.
Ouais, mi visite, mi je te dépose où t'as besoin, quoi. C'est un peu le, c'est le but ouais, de c'est la soirée. Surtout pour l'apéro qu'on y va. Ouais, c'est l'apéro. On va faire la tour. J'ai entendu parler d'un troquet. On va aller faire la tour pour essayer de choper quelques chopines. Ouais. Ce qui serait c'est quand même le plus intéressant, c'est les putes. Écoutez, oui, vers la Trinité, il y a beaucoup de travestis hein, là-bas, oui. Ah non, moi c'est pas des mecs que je vais engager, moi je veux des vrais, moi. Des vrais michetonneuses, hein, des vrais. Peut-être pas des vrais putes, mais c'est des putes, hein, mais c'est travesti, là, hein. Ils ah ouais, non. Pardonnez-moi, mon père, hein. Après, j'ai envie de dire, je suis pas contre que les travailleurs y viennent, parce qu'ils sont toujours là pour mettre l'ambiance. Mais après, c'est pas ça que je veux pour la clientèle. Oui, bon, mais écoutez, on s'en fait pour procréer. Des vraies femmes. Je vous conseille d'attendre l'ouverture de la boutique, ce seront peut-être pas des putes. Parce qu'elles seront un petit peu distinguées, mais il y aura sûrement des femmes à l'ouverture de ma boutique, oui. Et même une collection pour elles, hein, oui. Moi, j'ai envie d'ouvrir un pipe show. Un pipe show, c'est quoi ça? Un pipe show, bah tu sais ben, c'est là où tu vas, que tu rentres dans des petites cabines, soit tu regardes des gens qui baissent, soit tu mets ta bite et puis tu te fais sucer. Oui, bon, la soit... place, hein, je suis pas sûr qu'ils partagent tout ça, mais oui, vous pouvez essayer. Bah franchement, avec des barres de pole dance et tout, tu paies un bon billet. Je me trouve de bon alcool, des cigares, tout ce qu'il faut. Attends, les gens, ils ont besoin de se décordiquer un peu le poireau de temps en temps, quand même. Oh, ce que vous me décrivez là, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est l'enfer. L'enfer qui est pavé de bonnes intentions, mon père. Oh, non, du père de grâce, ça fait vrai, mon Dieu. Eh ben, quand même, dites-moi pas, quand même, vous n'avez pas toujours été culé. Vous aussi, vous avez bien tiré sur le tire pimpon, quand même, un peu, de temps en temps. Feu de chasteté. Ouais, mais pas à la naissance, hein, quand même. Ça marche. Bon, ben, ça marche. Ouais, Didier. Ouais, moi je préfère rester en famille, hein, concernant ça. La famille, ouais, bah, écoute, ouais, j'en parle après, c'est de l'inceste, hein, quand même. Ouais, c'est pas grave, ça. Entre, moi, ma tante, elle m'a fait prendre deux enfants, hein. Ouais. Ah là, tu vas avoir un de mes enfants et l'autre enfant, mon autre fils, là, j'ai mis en pensionnat, là, il fait un peu le con. Oui, Dieu a dit, mais vous les uns les autres, mais essayez de pas faire ça en famille, quand même. Ouais, super, hein, quand même. À quoi, ouais. Comme ça, on sait d'où ils viennent, les enfants. Ouais, mais on sait pas comment ils vont vivre, hein, après, hein, quand même. Parce qu'en général, hein, ça fait un peu des œufs pochés, hein. Ouais, mais il y a un peu de déficience mentale, mon fils. Bah, regardez, il est là. Là, j'ai ramené ton gadget. Ouais, là, il okay. Y a le gadget, là, dans le camion, là. Et il y avait tonton aussi qui était là, hein. Ah, fiston. Bonjour, Paul, comment vas-tu? Ça va bien. Allez, salut mon gamin, comment ça va? Pas vraiment, vous Dédé. Ah bah super. Dédé, je pense. Ah bah super, André, Dédé, Pichard. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de déficience mentale, mais bon, c'est pas grave. Ouais, on parlait justement de ça. Essayez de me toucher la pile dans la voiture. Bon bah allez. C'est pas grave, de toute façon, on fait ça entre famille. Moi, j'aime bien, c'est traire les chats Très les chats. Et mon petit, serez-vous intéressé pour être enfant de cœur? Enfant de cœur? Pourquoi la fait? Est-ce que j'ai une gueule d'enfant de cœur? C'est quoi ça? Vous chantez à la messe le dimanche? Ah ouais, non, laisse tomber, j'ai autre chose à branler. Très mal. Eh ben super, ben on peut commencer comme ça dans la voiture déjà, dans le camion. Salut, ça fait. Ouais, comment te dire, mon petit, bien sûr. On est en train de commencer le Dédé Malden Tour. Faut monter dans le bus là, faut profiter. Et qu'est-ce que vous allez nous montrer? Bah, Malden. Ah ouais, trop bien. Ah, tu veux pas du drôle? C'est combien? C'est 50 francs. Comment ça va? 50 francs! Attends, papa! Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Pichon? Il y a Maurice, il me dit go à la fermette avec Jackie. Oh, va dans le bus! Il y a ton tour de dire. Ah ouais, extrême! Eh ben tiens, l'été, on pourrait aller à la fermette! Bah allez, c'est parti, mais je voulais passer au bar d'abord! Ouais, bah attends, je vais
Allez, on est parti. Ah bah attends, prends le volant, prends le volant. Ok, vas-y. Allez, pareil, mon la voiture. Attends, on va vous suivre. Attendez, on va vous suivre. Attends, moi je vais mettre le 4x4 à la fermette aussi. Je vais le déposer. Ah bon, ouais, fermette du coup. Oui, non, on va la fermette. Eh ben, ah ouais, du coup, on repart dans l'autre sens. À ton avis, il y a combien de places assises là, dans le bus? Eh, il y en a voilà, la paquet. Ah ouais, quand même. C'est le seul monde qu'on a pris. T'as réussi parce que t'es con. Ah bon? Ouais, ouais, y'a pas de labo. On me l'avait jamais on va faire les bus à l'ancienne. On va te permettre que tu vas te faire les vachettes. Ah, bah non, on a plus de vachettes, on te quitte nos bétails. Gros, on a testé maintenant. Eh, ah! Eh, bon, le Julien, là, va falloir lui casser la gueule, lui. Ah, ouais, Dédé, on a trouvé celui qui nous a volé tous nos bétails. Il s'appelle Julien, il met des feuilles d'affiches comme quoi il vend les bétails. Ah ouais, quand même. En plus, tu sais, il met la vachette, il met la vachette à la moustache en ta carotte. Ah bah dis, c'est Michel qui l'a mis en faute en plus, dis. Il est beau, je dis ça. Ah bah franchement, je trouve que... On a quand même des bus modernes. En plus, on a refait toute la déco. Bon, j'ai grotté un peu les pneus. Bon, ça, c'est pas un problème. On sait mettre plus de 20% hein, jusqu'à ce moment. Pour remplir le serveur, il en faut au moins 8 minutes. Ah pardon, désolé. Ouais, j'étais en train de lire le prospectus, c'est pour ça. Ah, je lisais, oui, je lisais un prospectus. Et que des émigrés maintenant, on dit pas. Ouais, ah putain, j'étais en détection de vocale. Si on ramène du pognon, c'est bon. Je me suis fait taper vers la poussière. Je t'ai en tête de vie en détection. Ouais, mais ils sont pas éduqués, hein, ils sont pas civilisés. Hein. C'est dingue tout le nombre de maisons qui sont construites mais qui sont pas terminées. Ouais. Je trouve que les ouvriers ont dû laisser à faire quand même. Il roule comme des chauffards. Hein. Ah, nous, d'ailleurs, aujourd'hui, normalement, le prince doit venir à la fermette aujourd'hui. Non. C'est pas bon. C'est apparemment le prince qui devrait venir à la fermette avec une visite d'état à la fermette. Une visite d'état à la fermette? Ouah, dis donc, ça fait ouais, ça ouais. Fait pas un peu, hein. Bah, il nous a dit ça il y a quelques jours, que on va visiter les lieux avec. Ah, c'est le grand luxe alors. Mais qu'est-ce que tu fabriques à la fermette? Ouais, il va falloir que tu fasses un point. Donc en fait, il faut qu'on loue des bétails, Enfin, maintenant, on a demandé des clôtures parce qu'en fait, les immigrés sont venus et vu qu'ils n'avaient pas mangé, ils ont piqué le bétail. Ah la merde! Alors, du coup, il n'y a plus à bouffer quoi. Alors, on a plus de bétail. Vous imaginez le temps que ça va prendre? On se rend pas de la bouffe avant 3 à 4 mois. Tout ça à cause de ces putains d'immigrés. Je viens là. Putain.
fond du RP. Plus de chauffage en fait. Ah bah voilà. Bah voilà. Ah oui là, dis donc là, il dit du bon là, dis donc. Ça c'est une bonne chose de fait ça. Oh Dédé, dis là, dis donc. Eh bah super, super. Comme mes merdes, je suis à poil. À poil Dédé. Oh, arrête ça. Attends, j'ai mis ma culotte. C'est... Merde. Un peu là. C'est qui? On t'a regardé. Eh ben, vous avez des super fermes, hein. C'est joli comme tout, hein. Je me suis fait taper par des gens. Merde, j'ai failli creuser un pouce, hein. Il marchait dessus, dis donc. Boris. Mais j'en ai marre de me faire taper. Attends, là, dis donc. Tu peux mettre les clés de ta moto, s'il te plaît, parce qu'avec Jackie, on va aller voir le ministre de l'État, parce qu'il est venu avec le prince aujourd'hui. Oui, oui, dis donc, tiens, dis donc. Bon, on va aller le voir pour savoir de quoi il va passer, on arrive. Mais dis là, dis donc, pas de conneries. Yo Manu. Tu te crois où, là, chez Mémé, peut-être? Mais... Et qu'est-ce que je fais, moi? Faut que j'attende ici à la ferme? Et pourquoi ils sont rentrés, là? Ah, qu'est-ce que je branle? Bah, si tu veux, on va ramener le presse, comme ça, tu pourras faire une publicité pour ton bus. Ah ouais, super, là, bah, on va aller voir si le presse, il vient dans longtemps ou pas, et sinon, s'il vient dans longtemps, on ira faire le tour. Ah ouais, bon, ça marche. Je peux prendre un peu, 2-3 œufs dans le poulailler pour me faire une omelette. Ah, il y a plus de poules, ils ont tout volé. Bah, il nous reste quelques œufs, ouais. Ah bon, tu vas dans la rivière, il y a encore 3 ou 4 œufs. Ah, quand même, parce que là, je commence à voir les clous. Et tu regardes derrière toi, derrière le pick-up, là, il y a la salade. J'y rajouterai un morceau de lard, hein. Oui, c'est bon, impeccable. Ouais, un bout de salade avec des œufs, c'est parfait. Ah ben, super. Salade au bon, sauf kebab. On arrive. Vas-y, on se dépêche. Hein, bah, moi, je vais me préparer une petite omelette. Ok, dis donc. Hop là, ouais, je vous en plains de votre cuisinière. Ah là, t'es plutôt le garage, en fait, dis donc. Hein? C'est plutôt le garage, là, tu vois, la cuisinière qui est là, je suis en train de la réparer, dis donc, elle marche pas. Ah, tu vas à l'étage, là, tu vas à l'étage, une cuisinière dans l'angle droit, en face de l'escalier, dis donc. Ah bon, bon, bah, super. Bah, sinon, t'as pas une cheminée ou un four à bois? Non, j'aère un peu parce que ça sent un peu l'enfermé là-dedans, hein. Mais non, pas du tout. Ça marche très bien sur le bazar. Et ben voilà, une petite omelette. Super. Comme un beau, mon gamin? Non. T'as mangé? T'as pas mangé? Tu veux pas un peu d'omelette à Dédé? Mais non, regarde, il y a un pommier là-bas. Bah tiens, je te file un peu d'omelette, attends, regarde. Pardon, merci beaucoup, Dédé. Eh ben tiens, un peu d'un morceau d'omelette, en plus j'ai ramené. En plus j'ai ramené de l'eau pétillante du village. Du village? Oh, Dédé, ça avance. Le village. Hein? Je savais pas qu'il faisait de l'eau pétillante. Bien sûr qu'il y a les sources naturelles, attends, faut profiter. Ah oui, c'est bien, c'est pour en savoir, c'est pour les michouilles et tout ça, pour qu'on aura besoin d'eau. Ça c'est des limitations d'eau. On va écouter ça quand même. Ah bah oui, faut profiter. C'est pas dégonné. Ah oui, c'est vrai, c'est bon. Ah bah ça fait plaisir. Hein. Oui, c'est vrai, ça fait du bien. Il manque un peu de jaja quand même. Il faudrait que j'aille faire un tour au bar. On devait aller faire un tour au bar, on n'est jamais arrivé. Bon allez, monsieur, faut y aller. Là. Si tu veux, tu vas à pied. C'est pas très très loin, lui. Comment ça, tu vas à pied? Bon, c'est pas très très loin, le bar, d'ici. Ah bah attends, je regarde. Ah bah tu vois combien toi? Bah c'est à 4 km quand même, faut pas déconner. 5 km à pied, il faut 10 heures. C'est pas très très long. Ouais bah j'ai mon bus, c'est pourquoi je me fais chier à y aller à pied.
Mais non, je vais attendre que ton copain vienne. C'est pas fou, c'est pas fou. Je vais attendre que mon copain vienne. Tranquille. Bon, bah écoute, je vais peut-être aller taper un Mac, là, tendu entre les deux pommiers, que j'ai fait un petit loupillon. Oh, bah, eh ben, super. En tout cas, c'est une belle ferme. Hein. Dites, c'est quoi, c'est l'élevage de cochons qu'il y avait là-bas, là? De vaches, entre autres. Ah, t'avais les vaches de vaches, oui, bien sûr. Ah oui, mais bon, on se les a toutes fait voler. Et les tracteurs, ils sont où, les tracteurs? Les tracteurs, ben, ils sont dans la grange, là, qui est un peu plus loin, dans la montagne. Ah oui, d'accord, d'accord. Il y a de la voie, là, un peu plus loin. Par là. Ah, vous avez un grand terrain, quand même, c'est bien. Ben, on a des champs, ah, ça va péter. Des champs, on a des vaches, c'est des vaches de mer. Ah, c'est pour l'hiver, là. Ben, je pense que là, il va y avoir un petit orage. Oui, oui, c'est possible, oui. Je vois ça, oui. Ah oui, c'est bien possible, oui. Oh là, les vaches de mer, t'as dit fou. Un pouli. Là, ça commence à... Ça, c'est fatigant. J'arrive, ça bube, c'est chiant. Bah ouais, non, non, puis... Oh. C'est comme ça depuis tout à l'heure. Monsieur D. Bah, j'étais en train de me mettre à l'abri. Parce que. Ouais. Mais je vais me cacher. Bah, c'est fini. Le serveur est décédé. Victime de son succès, le chat galère. Ouais, je pense que c'est ça.
Bon bah. Où je se souhaite les enfants, j'ai l'impression que c'est la paix. Je crois que je me couche trop tard. Je crois que. Je crois que ce soir ça va être. Ça prévient pas la pluie ici. Une proposition. C'est trop chaud. M'amène chercher ma moto là, dis donc. Oh putain. Monique, je trouve une fourmi. T'as trouvé une fourmi? Ah bah oui, à la campagne, c'est quand même. Belle fourmi. Tu l'as mis où? Ton doigt? Oui, regardez. Ah oui, dis donc. Ah oui, fourmi. Fais gaffe, c'est une fourmi rouge, hein, ça pique. Hein, faut être quoi avec la nature? Communion. À la communion, ah ça je connaissais, c'est pendant le catéchisme. Je sais pas, je m'a dit ça, je crois que je me roule dans le. Vous me dites si vous entendez trop le ventilateur, les gars. Je suis trop chaud. Il fait une chaleur à crever. Eh ben ouais, fais un petit loupillon. Bon ben écoute, ça marche. Mais allez, je suis comme l'aise, je bouge au gré du vent. Tu bouges au gré du vent? Ben le problème c'est qu'il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, c'est un peu la cagnasse. Hein. Bah du coup je bouge pas. Ah oui, c'est pas faux. C'est quoi ce bugno? Ah putain, c'est une vraie grange. Hein. Putain, oui, non, putain, mais ils ont pas blagué. Ah, y a la paille et tout quoi. Eh ben moi je vais me coucher dans la paille. Ben moi je vais me rouler dans la paille. Ah là ouais, moi je suis bien pour le piller là. Oh putain les mecs, j'ai trop chaud. C'est une catastrophe, putain d'été de merde. Hier je vais aller sur la. Hier j'ai commencé à stream qu'à 9h30 tellement que c'est chaud. C'est un fait.
Micheline ? Micheline ! Mais qui c'est qui vient me faire chier pendant la sieste ? Bah mon gamin, t'as pas vu que j'étais en train de dormir ? Bah non, je sais pas, je bah, j'ai vu un tas de foin, moi, ça m'a donné envie direct, tu vois, ça m'a rappelé quand je vais avec les copines à la ferme, quoi. Bon, allez, si vous voulez, mais essayez de faire votre bruit, sinon il y a les enseignes. Pourquoi faire votre bruit ? Je faisais pas de bruit, j'étais en train de dormir. Ah bah je vous dis que vous faisiez des bougettes, j'allais même pas être dans l'air, vous restez tranquille avec votre truc, on aurait dit une vache qui était en train de... Ah tu veux dire que j'étais en train de ronfler quoi, dis donc. Oui. Ah bon ? Ah bah c'est la première fois que je l'entends celle-là, moi je ronfle, ah bah c'est nouveau ça. Si je pouvais faire comme que vous entendiez pendant que vous entendez pas, que vous entendiez, eh ben je vous ferais. Ouais, il faut enregistrer quoi, ça veut dire, il suffit d'avoir un enregistreur. Oui, c'est ça, l'enregistreur, c'est ça. Ah, bah attends, je vais me relever parce qu'il y a du monde qui arrive, je crois qu'il y a les mecs à fond et tel. Oui, c'est mon tonton, oui. Eh ben oui. Hey, ça fait sa merde. Eh ben ça va les petits loulous, super, qu'est-ce que vous branlez là ? Ah là il a eu un petit problème mon nom là. Il a eu un accident de moto. Tonton ? Mais attends une seconde là. Tonton ? Ah je connais ce modèle, c'est une vieille Triumph 250N. Ah je la connais bien, ça roule du feu de Dieu. Et combien que ça vaut une pétrolette comme ça ? Oh là, je sais pas, moi j'ai trouvé un bord de route là, dis donc. Ah bah c'est impeccable, dis donc. Attendez, il y a un bord de route. Elle se réveille pas quand il met des claques. Bah y a pas quelqu'un qui a envie de chier. Parce que quand t'as envie de chier, tu vois le souffle que ça dégage, tu te mets un petit doigt dans le cul, tu colles sous le pif, tu vas voir, il va se relever. Ah bon, dis, on va attendre, on va essayer quand même, dis. Pardon, je vais mettre devant quand même. Mais ça marche que quand t'as envie. Oh, mais qui te marche toujours envie, moi. Attention. Oh la vache. Bah t'étais... Je t'avais dit juste de te coller un petit doigt, d'y décoller sous le pif. Là t'y acheté une caisse sous le pif. Ah bah tu serais pas un peu dégueulasse quand même. Ouais, un petit peu dégueulasse, hein. Ben remets ta culotte, puis essuie-toi là, regarde, tu ronchis dans ta crotte. Ben quoi là-bas, dis donc, j'ai dit, allez go. Mais non, arrête ton chien, dis donc. Mais t'es vraiment un goût la masse, hein, sans déconner, hein. C'est pas possible. T'es pas possible d'être aussi goré que ça. Regarde-moi ça. Il se crotte dessus, il se balance, regarde la chemise qui touche l'osé. Eh ben dis donc. Hey, tu vas dans le coin là, dis donc. Ben mon cochon, mais essuie-toi le cul dans la pelouse. Et voilà, frotte-toi un peu l'oignon sur la pelouse, il y a des tas de mousse là, tu t'essuies. Ou il n'y a pas une bouteille d'eau, bon Dieu, prends une bouteille d'eau, puis tu t'essuies comme à l'ancienne. Ben il n'est pas dégourdi celui-là, hein. Il n'a pas inventé autre chose. Il n'est vraiment pas dégourdi, hein. Il a vraiment des problèmes. Hein. Dis donc, son père l'a un peu filé à la piste, tu vois. Ah merde. Ah ben il est en train de roupiller. Bah, je crois qu'il roupille dans sa merde. Je crois qu'il roupille dans sa merde. Je sais même pas s'il suit essuyer les fesses. Ça sent deux de là, dis donc, viens. Ah oui, mais il est tombé, bah, dis donc, il va rester à la ferme, il va s'occuper là. Mais vous avez pas un chiotte dans le bordel ? Non, là, dis-moi. Ah ouais, dis-moi. Et pilote qui a toujours sa mère sous le pif. On s'est fait voler tout son bétail, là, dis-moi. Ah oui, c'est pas gentil. Qu'est-ce qu'ils en ont foutu ? Parce qu'il faut quand même le stocker, le bazar. Ils nous ont volé tout son bétail, là, tout là. Bah, lui non plus, il fait pas semblant quand c'est l'heure de la sieste, hein.
Eh oui, je te disais, combien qu'ils t'en ont piqué des têtes de bétail? Au poulies de vachettes. Ils m'ont volé 4 vachettes, 2 cochons, 4 poulets, un âne, dis donc. Ah bah ça fait pas d'elche. Oui, enfin, ça fait pas d'elche, si, ça fait d'elche, mais je m'attendais à que tu me dises, ils m'ont volé 200 vaches. Mais non, là, du coco, on n'a pas autant de bétail, d'ailleurs, on va certainement. Voilà, quoi. Ah bon, d'accord, là, oui, c'est vraiment c'est la petite ferme du bouseux, quoi. Ça va venir, les gens, on a prévu, on commence à grandir. Ah bon, bah ça marche, et bon. Bah ça m'a fait, ouais. Ah bah je suis d'accord, là. De toute façon, plus on travaille et plus on travaille. Bon. Moi qui voulais faire mon petit tour de bus, bah dis donc, depuis tout à l'heure, je glandouille à la ferme. Hein. Puis en plus, il y a même. Oui, hein? On va attendre, dis donc, il y a ouais, bah oui, je sais bien. Bah, j'aurais préféré aller à la ville et puis un petit peu tchatcher avec des gonzesses, là, je me fais chier, là. J'avais envie de me faire sucer un peu le poilot, là. Oui, mais Lyon, là, quand il sera réveillé, on va y aller, quoi. Eh ben sinon, ouais. Bonjour, mon pire, s'il faut, hein. Ouais, mais non, parce qu'il m'a dit qu'il voulait que je sois là, parce qu'il y a le ministre, je sais pourquoi il vient venir, il voulait me le présenter, enfin, j'en sais rien. Oui, mais là, il est plus là, dis donc. Bon, après, tu sais, les cols blancs, hein, moi, je les vois, mais je me porte, hein. Enfin. Heureusement, j'ai prévu le pique-nique. Oui. Il faut me le dire si vous avez faim, oui, j'en ai. Pourquoi t'es là, dis donc, le coin. Dis-moi, y'a pas un groupe de rebelles sur l'île. Putain, j'en sais rien. Allez au coin, tu vas pas sur l'île. Ok, ok. Je fais le chien. Bah, il est pas réveillé avec le tas de merde que tu as foutu sous le nez. Allez, attends, on va attendre un petit peu, ça vous dérange pas, dis donc. Il est pas réveillé avec le tas de merde que tu as mis sous le nez. Bah t'es, t'es, tu, on va pas essayer. Non, vas-y, fais pas le con, pisse un peu dessus, pisse un peu dessus. Ah vache. Ah regarde, il est tombé dans des pommes tellement il en a chié fort. Ah oui, là, dis donc. Oh ben regarde. Tellement qu'il en a chié fort son odeur, il s'est intoxiqué lui-même, dis donc. Ah, ah bah tu parles, c'est vrai que ça pue. Hein. Qu'est-ce que t'as bouffé, dis donc, juste avant, dis donc. J'aimerais pas que tu me chies sur l'œil, parce que dis donc, hein, c'est pas. Ah la vache. Ah bah il s'est endormi sur sa merde. Bah oui, mais là il est un peu crado, ce truc-là. Bah dis donc, t'es un petit cochon, toi, hein. T'es un sacré petit dégueulasse, hein, sans déconner, je tiens à te le dire, là. Je le dis à ton père, là, parce que dis donc, des petits cochons comme toi, je n'ai pas rencontré souvent. Eh ben dis donc, mon golet. Mais arrête de te louler dedans. Oh là 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 là, regarde-le, celle-là, il y a plein de la merde qu'on est sur la joue, dis donc. Franchement, mais dans quel pays on vit? Mais il t'en dit pas dessus, regarde, il fout le nez dedans maintenant. Il n'arrive même plus à respirer. Touche-lui la tête. Pousse-y la tête avec un bâton. Pousse-y la tête avec un bâton, il va s'étouffer avec sa propre merde. Oh merde. Ça va, tu respires, gamin? Tu m'entends? J'ose pas approcher tellement ça me pique le nez. Oh putain, la vache. Mais il y a le fou, dis pas. Bah oui, mais là, oui, mais si t'es le fou, sa tête dedans, hein, ça va. Ah bah, là, le bordel, là, vous avez foutu un sacré bazar. Là. Oh. Ah bah, merde, alors. Oh, bah, il a tellement de merde sur lui que je le voyais même plus, dis donc. Il est entouré de sa merde. Là ça pue là. Ouais bah je t'ai dit. Ah bah merde. Oh bah là, là les enfants je vais. Si j'étais vous, je mettrais des loupules.
Si j'étais bougé. Mais arrête de lamper dans ta crotte, toi. Voilà. Viens d'autre foutre derrière le mur, il va t'arriver des emmerdes. Je crois que t'en as assez fait comme ça. Qu'est-ce que c'est, un joli hélicoptère? Ah. Bon ben les gars, l'épisode 2 sera plus court que prévu. Déjà je suis crevé, en plus c'est un peu pénible. Je tourne en rond. Je vais aller me caler, je me lève tôt demain matin, je me lève à 5h, tant pis. Ouais, c'est pas grave, l'aventure a commencé, ne vous inquiétez pas du mal d'elle, vous allez en manger. Va dormir, t'inquiète, je comprends, c'est chiant en plus quand je crache tout le temps. Ouais, non mais en plus je te dis, là je travaille demain matin à 5h, donc tant que j'aille me caler, me caler un peu avec ma femme et tout, tranquille. Pépère, tant pis pour Nolocha ce soir, il doit avoir sûrement un peu de boulot à faire dessus. Faut vraiment que j'arrive à te trouver une game. Tant pis. Soir, c'est pas le soir. Si c'est pour que ça fasse ça toutes les 20 minutes, il n'y a pas de plaisir. Je vais pas, ça leur fait pas de la pub, alors autant arrêter là. Bon, les petits loulous, bah je suis navré que ça se finisse comme ça, mais bon, tant pis, c'est this is life. Et puis voilà. Guts. Bon, allez, c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous fais des bisous. Profite de ta femme, tu as bien raison. Je vais en faire de même.